Mesdames et messieurs, monsieur le ministre, chers étudiants, chers tous, plus fort, je vais parler plus fort. Je suis donc Hélène Sirvin, vice-présidente à la commission de la recherche, et je représente ce soir le président Haddad, président de Paris 1, qui, hélas, ne peut être avec nous, et vous prie de l'excuser. Je voudrais vous dire à quel point l'Université Paris 1 soutient le très beau travail de la chaire que dirige l'excellent Louis Gauthier. Et nous soutenons vraiment beaucoup tous les travaux qui sont en cours. Nous avons un réel intérêt pour les War Studies, pour les doctorats, pour tout ce qui donne à ces travaux sur la défense et toutes les questions militaires une grande importance aujourd'hui. Je vous remercie, je vous souhaite aussi une excellente année puisqu'il est encore temps, et je forme les vœux les plus chers pour que cette très belle chaire continue sa dynamique valeureuse. Je vous remercie. Merci, chère Hélène Sirvin. Monsieur le ministre, madame les vice-présidentes du Sénat, de la Sorbonne, chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis, chers étudiants. D'abord, je voudrais prolonger un tout petit peu ces remerciements et cette reconnaissance pour l'étendre à tous ceux qui, de l'équipe présidentielle partante, c'est la fin d'un mandat, nous ont accompagnés pendant cette période. Pierre Bonin, avant lui Caroline Morico sous la précédente présidente, et puis tous les directeurs du FR, d'histoire, de géographie, de sciences politiques en particulier, Jean-Marie Le Gall, Yann Richard, Bernard Dolez, qui au fond se sont associés avec la chaire qui a initié un peu ce programme pluridisciplinaire à Paris 1 pour instaurer à travers Sorbonne War Studies, le premier département virtuel consacré à ces questions, puisque vous le savez, l'université française était relativement pauvre dans ce domaine des études stratégiques. Remercier aussi Hervé Drévillon, son institut des études de la guerre et de la paix, qui a aussi été un peu pionnier dans ce domaine. Remercier nos partenaires, Airbus, le CEA, MBDA, Naval Group, Thales, la Fondation Saint-Cyr, qui ont permis à cette chaire d'acquérir cette reconnaissance nationale, mais aussi internationale, et de faire qu'aujourd'hui, vous l'avez indiqué, Paris 1 est un des pôles nationaux, puisque nous avons été lauréats d'une bourse donnée par le ministère de la Défense, qui nous consacre comme une des universités françaises, parmi trois, dans lequel la spécialisation des affaires stratégiques est désormais pleinement reconnue. Mais reconnaissance aussi à Armelle, vous le savez tous, elle est l'âme, la cheville ouvrière des travaux de cette chaire. Les conférenciers, je crois, partout dans le monde ne connaissent d'ailleurs que son adresse mail. Merci beaucoup. Merci à tous ceux, toutes les équipes d'étudiants qui, autour d'elle, permettent l'animation de cette chaire et notamment de lancer cette année des développements qu'on attendait sur les réseaux sociaux et qui vont permettre de davantage relayer nos débats que le site internet ou les podcasts que l'on envoyait régulièrement. 7 ans d'existence, 7 ans de réflexion depuis que Sir Lawrence Friedman, ici même, avec une première conférence, commençaient les travaux de cette chaire autour des notions de grande stratégie. 7 ans qui nous ont permis de faire un tour du monde géographique, de braquer le projecteur sur le Moyen-Orient, sur la Russie, sur la Chine, l'année dernière sur l'Europe. Et bien sûr, on attendait le moment américain. Alors c'était inscrit et c'était volontairement différé, parce que vous le savez, un des principes de la chaire, dans un paysage universitaire qui est très largement dominé par les études anglo-saxonnes, par la littérature anglo-saxonne dans le domaine international et stratégique, c'était d'ouvrir d'autres portes, de laisser d'autres s'exprimer, de faire venir des chercheurs d'autres horizons, et vous le savez, participent aux travaux de cette chaire des universitaires coréens, chinois, japonais, indiens, pakistanais, israéliens. Bien sûr, nous invitons des Européens, c'était le cas évidemment l'année dernière, et aussi les Américains. Mais cette année encore, vous aurez la chance et le plaisir de voir revenir Kazuko Suzuki, qui est le vice-doyen de l'université d'Hokkaido, et Andrei Kortunov, qui est le directeur de la Russian International Affairs Council, ce qui montre bien qu'on reste toujours dans cette logique de croiser les points de vue, d'avoir
des variétés d'analyse. Et puis, il y avait donc cette question de principe, faire un peu de place aux autres, et que la France participe à cette diversité des échanges dans le domaine de la théorie ou des réflexions stratégiques. Puis il y avait aussi le choix du moment propice. Le choix du moment propice, je dirais, il faut peut-être inverser la formule célèbre de Hegel dans sa préface au principe de la philosophie du droit. Vous savez, la chouette de Mercure prend son envol au crépuscule. Bah, à l'inverse, nous nous situons plutôt dans les périodes de crépuscule pour, utilisant au mieux la clairvoyance de la chouette, essayer de pénétrer la nuit d'incertitude. On l'a fait l'année dernière, à un moment où pour l'Europe, souvenez-vous, Barnier intervenait le jour même du vote du Parlement qui, sur le Brexit, qui bah, finalement conduisait à l'échec, à la non-adoption du protocole et au départ de Madame May quelques mois après. Donc on l'a cherché ce moment propice. Et bah, je veux dire, il est évident qu'aujourd'hui, pour les États-Unis, tous ceux du comité de pilotage qui ont aidé à faire ces choix et à bâtir ce programme, on a convenu qu'à la fois, au terme du mandat de Trump, on était dans une période de relative confusion sur toute une série de dossiers, l'Irak, l'Iran, la Corée, la Chine, l'OTAN, on aura l'occasion de réévoquer ces problèmes, qu'au fond, cette politique brouillonne, simpliste, fantasque, n'était pas quand même dépourvue de toute efficacité, que dans certains cas de négociation, elle parvenait quand même à ses fins. Enfin, qu'elle créait un climat de confusion qui rendait les choses plus difficilement intelligibles au travers ces psychodrames répétés. Et puis, période d'incertitude au plan interne, avec l'impeachment, avec évidemment la compétition électorale. Donc, comment ne pas se laisser arrêter par les ondes à la surface de l'actualité et scruter plus loin l'horizon ? Hubert Védrine avait eu une expression, hein, en parlant, vous le savez, au moment de l'unipolarité post-guerre froide des États-Unis, en la traitant d'hyperpuissance, l'hyperpuissance américaine. Je dirais que dans les 10 dernières années, on a vu cette hyperpuissance questionnée, et en tout cas l'unipolarité faire la place à une autre situation. Et à l'aube de cette décennie 2020, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a plus de supériorité absolue des États-Unis. Mais il demeure une supériorité relative. Et la bataille pour conserver cette supériorité relative et la force de l'avantage ou du gap sur les autres pour conserver cette supériorité. C'est évident en matière technologique. Vous savez qu'une partie des travaux de la chaire, notamment dans la deuxième partie du cycle, est consacrée à l'examen des défis technologiques. Suprématie dans le domaine nucléaire, compétition spatiale, compétition dans le cyber. On voit que là, il n'est pas question que les États-Unis se laissent se rattraper en matière de supériorité relative par rapport aux autres et notamment par rapport aux compétiteurs chinois, voire russes. Mais 2020, c'est aussi une décennie qui commence par la remise en cause des instruments multinationaux qu'avaient eux-mêmes créés les États-Unis. Et donc, comment les choses vont se passer à l'avenir aux Nations Unies, à l'OTAN, là encore, des champs de réflexion que nous aurons à traiter au cours de cet exercice et de cette année. Joseph Nye avait dit, je crois, dans un essai en 2016, qu'il y avait deux types de présidents. Les présidents transactionnels, négociants ou négociateurs, c'est le modèle Theodore Roosevelt, et puis les idéalistes, les transformationnels, et c'était le modèle Wilson. On voit bien qu'on aurait plutôt tendance, c'est vrai, à mettre Trump dans la première catégorie et Obama dans la seconde. Et puis tout de suite, on s'aperçoit qu'une fois qu'on a dit ça, il y a quand même, curieusement et de manière paradoxale, des choses qui sont venues les rapprocher. La rupture de Trump par rapport aux néoconservateurs sur l'interventionnisme militaire, qui fait écho à la même prudence quant à l'intervention militaire qu'avait Obama. La distance vis-à-vis de l'Europe. Au fond, les États-Unis ne souhaitent plus assumer ce rôle un peu de père de famille bienveillant vis-à-vis des Européens, mais davantage y remettre de l'intérêt ou de la discussion sur ces intérêts entre des deux, de part et d'autre de l'Atlantique. Donc on aura aussi cette question sur la transition à se reposer. On se l'est posé en fin de cycle l'année dernière, 70e anniversaire de l'OTAN. C'est des noces de platine, comme toujours quand on fête des noces de platine, on se félicite de la durée de l'Union, mais on s'interroge aussi sur la longévité même de cette Union, vu l'âge des conjoints. Et donc je crois qu'on aura évidemment forcément à se reposer cette question,
Et j'espère que, notamment à l'occasion de la conférence de Timo Pessonen, qui viendra clore notre cycle, vous savez, c'est le nouveau directeur général qui crée à la fois cette direction et qui a été nommé pour suivre les questions d'industrie de défense au sein de la Commission européenne, nous retravaillerons sur cette problématique de l'autonomie stratégique des Européens. Alors, merci à Hubert Védrine d'avoir accepté aujourd'hui de prononcer cette conférence inaugurale. Hubert Védrine, conseiller diplomatique de François Mitterrand, secrétaire général à l'Élysée, au moment où, au fond, le monde bascule. Donc, il a été à la fois aux responsabilités et comme observateur d'un moment, évidemment, tellement particulier dans notre histoire. Ministre des Affaires étrangères, au moment où la fin de la guerre froide entraînait toute une série de soubresauts, et notamment le règlement du conflit des Balkans. Dans ses mémoires, Chirac dit « il concilie, je crois que c'est les termes, une exigence gaullienne au pragmatisme mitterrandien ». Alors ça va bien parce que, au fond, Mitterrand était peut-être pragmatique, mais au fond, il avait des lignes en matière de politique étrangère qui étaient quand même très claires et très évidentes. Et quant à De Gaulle, il n'a jamais fait preuve d'une absence de pragmatisme. Alors c'était d'autant plus peut-être facile pour en faire la synthèse, peut-être pour exprimer ce que certains, après lui, ont voulu appeler un mouvement ou une forme de pensée gaullo-mitterrandienne dont il aurait été, dont il serait l'inspirateur. Il est l'auteur, comme consultant, de nombreux rapports, notamment deux rapports au président de la République sur la mondialisation à Nicolas Sarkozy, sur l'OTAN justement à François Hollande, de très nombreux ouvrages, Les mondes de François Mitterrand, j'évoquais cette période à l'instant, Face à l'hyperpuissance, la problématique des États-Unis au lendemain de la guerre froide, de la fin de la guerre froide, dans la mêlée mondiale, et puis plus récemment, Compte à rebours. Et puis alors, il ne faut pas que j'oublie quelque chose qui est évidemment un ouvrage qui est un petit peu décalé, qui est un régal pour le lecteur, Ulrich, la biographie imaginaire qu'il a écrit avec son fils et que je vous invite à lire, puisqu'il entremêle savamment la fiction et suffisamment d'éléments de réalité et d'analyse pour qu'on puisse presque croire un instant que cet Ulrich, ce grand méchant, existe. Mais rassurez-vous, il ne va pas nous parler de ça, il va nous parler pas d'Ulrich, mais de la réalité, dans lequel il y a toujours quand même, y compris une petite dose forcément fictionnelle, dans la manière de formuler les choses, de les envisager, de les aménager. Hubert, je te cède la parole.